Bonjour à tous et bienvenue sur 10 délices. Aujourd'hui, on va faire un classique de la cuisine, le gâteau au yaourt. Mais connaissez-vous bien toutes les astuces pour le réussir à la perfection? C'est ce que nous allons voir. Faites préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un saladier, battez 3 œufs. Bien sûr, dans cette recette, on mesure tout avec le pot de yaourt. Avec 2 pots de sucre cassonade, et un sachet de sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien et double. Ajoutez votre pot de yaourt. Veillez à ce que tous les ingrédients soient à température ambiante. Première astuce, comme son nom l'indique, tout réside dans le yaourt. Ne prenez pas un yaourt nature classique, privilégiez du fromage blanc ou un yaourt à la grecque, un peu plus gras, mais qui va venir donner de l'humidité à votre gâteau. Venez ensuite mettre un demi-pot d'huile de tournesol. Passez aux ingrédients secs. Mettez 2 pots de farine, 1 pot de maïzena, un demi-sachet de levure chimique, un quart de bicarbonate de soude et une pincée de sel. Battez. Deuxième astuce, les ingrédients secs. Je remplace une partie des pots de farine par de la maïzena pour alléger le gâteau. Ensuite, le bicarbonate de soude. Grâce à une réaction chimique liée au yaourt, ça va permettre de rendre le tout encore plus moelleux. Chemisez un moule avec du beurre et de la farine. Versez la préparation. Enfournez pour 25 à 30 minutes en fonction de votre four. Vérifiez la cuisson en plongeant une lame de couteau. Elle doit ressortir sèche. Troisième et dernière astuce, couvrez votre gâteau avec du papier d'alu. Ça va lui faire un effet sauna et le rendre plus humide. J'aime mon gâteau yaourt tout simple, mais libre à vous de mettre du chocolat, des fruits, du citron ou de vous en servir pour une base de muffins. Dites-moi en commentaire quelle est votre façon préférée de manger le gâteau au yaourt. Je vous dis à très vite!